Africain, africaine, bonjour. Ivoirienne, ivoirienne, bonjour. Il me prend une envie ce matin de vous raconter une histoire. C'est celle de deux frères. Ils vivaient à la campagne. Ils travaillaient ensemble dans une ferme que leur avaient laissée leurs parents. Ils s'entendaient très bien. Et puis un jour, comme ça arrive dans toute relation humaine, ils ne se sont pas entendus sur quelque chose. Ils se sont disputés. Ils se sont séparés en queue de poisson. Et à partir de ce jour-là, ils ne se sont plus parlé. Plus le temps passait, plus le fossé se creusait, chacun ne voulant pas aller vers l'autre, trouvant qu'il avait des raisons de rester dans son coin. Le temps a passé. Un jour, un monsieur qui passait est allé dans la ferme, dans la maison du frère aîné, et il lui a proposé de faire menus travaux en échange de la nourriture. Il lui a dit, ah, ça tombe très bien. Et il a fait sortir le monsieur de la maison et puis il lui a montré un ruisseau qu'il séparait sa maison de celle de son frère. Un tout petit ruisseau. Il dit, voilà, ça fait très longtemps que je parle plus à mon frère. Je ne veux même plus voir sa maison. Donc j'aimerais que vous fassiez un mur qui va me séparer de lui pour que et lui ne voit pas ma maison et que moi aussi je ne vois pas la sienne et qu'on ne se voit plus parce que lui et moi, nous ne sommes plus frères. Et il a donné au monsieur tout le matériel qu'il fallait pour pouvoir construire le mur. Et il est allé en voyage. À son retour, il vient pour constater les travaux et il se rend compte que le monsieur n'a pas construit de mur, mais il a plutôt construit un pont qui relie la maison du frère aîné à celle du petit frère, au-dessus du ruisseau. Le monsieur était étonné. Et pendant qu'il était en train de regarder le pont, son petit frère qui était de l'autre côté, là-bas, qui avait vu les travaux, était très content, mais n'osait pas venir trouver son frère. Alors, il ne savait pas que son frère avait voyagé de toutes les façons. Mais quand il a vu son frère au début du pont, il a traversé le pont en courant et les deux se sont embrassés. Il a dit vraiment merci, mon grand frère. Je ne savais vraiment pas comment faire pour aller vers toi. Je te présente des excuses pour ce que j'ai eu comme attitude vis-à-vis de toi. Le grand frère n'a pas voulu dire au petit frère qu'en fait, ce n'est pas ce qu'il voulait, mais que c'est le monsieur qui était de passage qui avait fait le pont. Il a embrassé son petit frère. Il dit vraiment, moi aussi, je m'excuse pour tout ce que j'ai dit aussi dans cette affaire-là. Personne de nous deux n'a raison. Personne de nous deux n'a tort. Nous avons commis chacun de son côté une erreur. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et ce pont-là, il va rester entre nous. Et le monsieur qui a fait le pont a dit, bon, que moi, je vais prendre congé. Ils ont dit, non, non, reste avec nous. Il dit, non, je vais partir. J'ai d'autres ponts à construire ailleurs. Voilà comment finit l'histoire. Cette histoire de pont que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui illustre ce qui s'est passé entre deux enfants du même pays aujourd'hui, 29 juillet 2019, à Bruxelles. Je crois que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, l'important n'est pas de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi. L'important, c'est que deux frères aient traversé un pont et se soient retrouvés au milieu de celui-ci, en territoire de nid de... Pas en territoire, je veux dire, c'était pas sur leur ferme, mais c'était au-dessus de la rivière, loin de la ferme commune. Deux enfants du même pays se sont retrouvés. Le grand frère est allé vers le petit frère. Le petit frère, quand il voyait le grand frère il voyait le pont en train d'être construit. Il pensait que c'était le grand frère qui avait décidé. Or, c'était la providence. On va dire Dieu, on va dire Lago, on va dire Nyamien, on va dire Géa, on va dire Kolotro. Pour les autres que je ne connais pas, veuillez bien m'excuser. Aujourd'hui, les deux frères se sont parlé. Un pont a été construit entre les deux. Pour parler de pont, on me dit que je ne parle jamais des ponts qui sont construits en Côte d'Ivoire, que celui qui est à la tête de notre pays, il construit des ponts, il construit des routes.
Mais est-ce qu'il a déjà construit un pont entre les Ivoiriens? A-t-il déjà posé les actes pour construire des ponts entre les Ivoiriens, construire des routes pour aller toucher le cœur des Ivoiriens? De façon spirituelle, de façon imagée, les ponts servent à réunir deux endroits. Alors, les Ivoiriens sont de part et d'autre divisés aujourd'hui par un ruisseau. Lui, en tant que le chef de notre, en tant que le président de la Côte d'Ivoire, a-t-il construit un pont pour mettre les Ivoiriens ensemble? A-t-il construit des routes pour aller toucher le cœur des Ivoiriens? Il vaut mieux construire des ponts plutôt que de construire des murs. Parce que c'est vrai, des ponts sont construits. Mais des murs sont construits aussi entre les Ivoiriens. La balle est dans le camp des Ivoiriens aujourd'hui. De dépasser ça, d'abattre tous les murs et de construire plutôt des ponts. Parce que ceux qui se réjouissent aujourd'hui de ce qui arrive aux autres, ils sont en train de construire des murs. Et au fur et à mesure qu'ils posent des actes, ils mettent des rangées de briques sur les murs. À un moment donné, les murs vont dépasser. Et on ne se verra même plus. On n'aura seulement que le ciel en commun. Non. Il faut que nous emboîtions le pas à nos deux aînés qui ont préféré utiliser un pont pour se retrouver. Parce que la ferme qui nous a été léguée par nos parents, c'est la ferme commune, c'est l'affaire commune, c'est notre bien à tous. Arrêtons de construire des murs entre nous. Construisons plutôt des ponts. Merci beaucoup au temps. Merci beaucoup à Lagos. Merci beaucoup à Niamiekpli. Merci beaucoup à Kolotro. Merci beaucoup à Guéa ou à Guéla d'avoir permis qu'aujourd'hui les deux enfants se retrouvent. Merci à nos ancêtres qui veillent, même si on croit qu'ils sont partis pour de bon. Moi, je suis prête à enjamber le pont qui va me mettre en contact avec les autres frères. Embarquons tous sur ce pont-là. Embarquons dans l'exemple que viennent de nous donner nos grands frères, nos aînés. L'humilité que les deux ont eue pour se parler. L'heure n'est plus à savoir qui a fait quoi, comme dans l'histoire que je vous ai racontée. Le grand frère a dit, je te demande pardon, moi aussi, pour ce que j'ai posé comme acte envers toi. Le petit frère a demandé pardon au grand frère, je te demande pardon aussi pour ce que j'ai posé comme acte envers toi. Il n'est pas besoin de dire qui a fait quoi, qui a fait quoi. Dans un problème, chacun a toujours sa part de responsabilité. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais un gros bisou et essayons tant autant que c'est à notre possibilité, à notre pouvoir, de construire des ponts entre nous et non des murs. La ferme commune, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. Construisons des ponts entre nous. Je vous aime très fort. Gros bisous. Bye bye.